voyez l'entrée qui est derrière moi, c'est l'entrée atlantique du canal du Panama. Et autour de nous, y a plein de cargos qui sont en attente de passage. Et nous, on passe sous spi, tranquille, au milieu de ce parking à gros bateaux. Et d'ailleurs, en parlant de gros bateaux, va falloir qu'on gère l'entrée avec ce gros pétrolier qui arrive en plein de face. Nous sommes à la marina de Colon. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On va passer le canal de Panama. Hier, on a fait les courses, on a mesuré le bateau. Et sur le bateau, aujourd'hui, il y a des grosses défenses, des parbattages énormes et surtout des grandes amarres pour pouvoir s'accrocher de chaque côté du canal. Notre agent nous a expliqué comment ça fonctionnait. Donc j'espère qu'on ne sera pas trop stressé et qu'on pourra filmer ce passage de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Aujourd'hui, on accueille à bord l'oncle et la tante d'Aurélien, Armel et Françoise. Et Jean, le capitaine de caractère. Aurélien les a aidés il y a 2 jours à passer le canal. Aujourd'hui, c'est notre tour. Pour le grand pont, on a aperçu l'embouchure, hein. Ça donne envie d'y aller. On ne vous ratez pas la pomme de Touline, hein. Ah non. Poutienne. Hello. Oui, c'est moi qui pilote Rodinière. Est-ce que c'est toi la capitaine? Bon, on a chacun nos rôles. T'as souvent vu des femmes piloter les bateaux pendant la croisière que vous faites? Pendant ce voyage? Pas tellement. Pas tellement. Hein? Pas tellement. Non, pas tellement. Bon, alors aujourd'hui, on casse les... Les mythes, voilà. Et on vous montre que les filles aussi savent barrer un bateau pour passer d'un océan à un autre. Mais je pourrais dire que nous sommes plus minutieuses que les hommes. Oui, c'est ça. Avec plus de finesse et de délicatesse. Bon, on va essayer de mettre ça en œuvre, hein, et de ne pas se planter tout à l'heure dans les écluses. On se met de la pression, hein. À tout à l'heure. Ciao. Avec encore beaucoup d'attentes devant nous, j'ai passé la barre à Armel. On s'aligne avec le cargo qui est devant nous. On va passer donc à 2 voiliers plus le cargo devant. Et le pilote nous estime encore 2 heures d'attente avant d'entrer dans la première chambre. Voilà sur le pont, le bateau qui est devant nous avance. Du coup, il y a pas mal de courant là, il y a marqué 3 nœuds, 3 au speedo, mais on dirait qu'il y en a plus, hein. Nous voilà dans la 3e chambre, donc c'est la fin. Il n'y a plus qu'à passer la dernière porte et on sera dans le lac Gatun. J'ai une capitaine à mon tribord qui fait un très beau boulot. Et puis écoute, ça a super bien été. On va souhaiter que demain ça soit aussi bien et aussi beau. Surtout quand c'est son propre bateau, dire au revoir à l'Atlantique, ça donne des petits papillons dans le ventre. On dit oui, bon, on passe une étape, on tourne une page et c'est ça, la petite larme est ici. Et puis on dit bon, c'est correct. C'est exactement ça.
chialer, mais tout va bien. Alors, j'avais couché Naël, mais apparemment, il veut encore profiter des écluses. On se détache de notre bateau jumeau. Ils vont partir en premier et devant nous, le lac Gatineau. Nos pilotes sont partis, ils ont monté dans le remorqueur. Voilà, on va pouvoir dormir. On est à trois bateaux amarrés contre une bouée sur le lac Gatineau. Encore une expérience originale.